Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, hein, on est avec Mohamed, comment tu vas? Yo les potes, la forme ou quoi? Ah, Mohamed Boustache, hein, avec nous du coup, pour le deuxième épisode du Cash Road, enfin plutôt un épisode de retour, parce qu'en fait on a déjà réalisé un premier épisode qui va se trouver donc dans la chaîne, sur la chaîne plutôt de Mohamed, hein, on va bien utiliser les prépositions en langue française quand même, ce serait malvenu de ma part sinon. Donc sur la chaîne de Mohamed et pas dans la chaîne de Mohamed, le lien se trouvera évidemment dans la description, hein, donc voilà. Évidemment c'est un nouveau concept, donc qui dit nouveau concept dit réexplication, hein, même si on l'a déjà expliqué dans le premier épisode. Je laisse Mohamed du coup réexpliquer son concept, parce que c'est évidemment un concept qui vient de Mohamed lui-même. Donc voilà, je te laisse un petit peu expliquer. Bon, voilà, on va expliquer ça assez rapidement, vous voyez, c'est pas très compliqué. Un cash road, c'est un battle road avec du cash. Ça veut dire quoi, Momo, un battle road avec du cash? Ça veut dire tout simplement, tu prends un battle road, tu prends les 30 SBR différents, du coup des types jusqu'aux catégories, jusqu'à cyborg. On les met dans un site pour les générer aléatoirement, du coup c'est pas nous qui choisissent le SBR, c'est choisi aléatoirement, du coup on a une chance sur 30 d'avoir un SBR, je vous apprends les stats et les probas surtout. Et du coup dès que c'est fait, chacun de nous fait une team. Dès qu'on fait la team et on l'a conçue, on l'a faite, on regarde les teams de chacun et on a le droit à ban un perso de la team ennemie. Sauf le perso leader, on n'a pas le droit de le ban, donc imagine, vous allez voir dans l'autre vidéo, c'était, je vais vous le dire. Enfin voilà, je vais pas vous le dire en fait, niquez vos mères, je vous aime pas. Désolé pour la monétisation, Kawaii. Non mais voilà, en gros, le personnage qu'on placera en leader pourra pas être banni, pour des raisons qui sont assez évidentes, parce que sinon, on est quand même en battle road, on n'est pas en Dokkan, on n'est pas en boss rush, on n'est pas en combat Dokkan effréné ou que sais-je. Le leader, si on l'a pas, en général, ça devient très 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 compliqué. Donc pour des raisons quand même de fluidité, de viabilité, tout ce que tu veux, que le team building soit quand même un minimum intéressant, le leader ne sera pas bannissable. A l'inverse, toutes les autres unités de la team, on pourra en sélectionner une chacun et la jarter, tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a parlé 3 heures d'un ban à cause du fait que Mohamed Dokkan ne sait pas parler français, le dernier truc qu'il faut dire, c'est que c'est cash road, car en fait le perdant paye au gagnant 10 euros. Je vous laisse découvrir qui a gagné le match précédent sur ma chaîne, et maintenant on va partir pour le faire sur la chaîne de Caval. Ça va Caval? Oui, Mohamed. D'ailleurs, Mohamed, j'imagine que tu es paré pour sélectionner, pour lancer au hasard du coup le SBR qui va faire l'objet de cette vidéo, de ce cash road. Ah ouais. Devine. Vas-y, balance. C'est drôle, en vrai. Est-ce que c'est un SBR de type déjà? Non. Fille pleine de vie. Non, t'imagines. Non. C'est le SBR type extrême. Ouh. Ah oui, tiens, ça c'est extrême, c'est un concept. C'est extrême, ouais, ça c'est le cas de le dire, ouais. Car en plus là je suis pas prêt, genre. Autant la dernière vidéo, tu peux faire la vidéo qui est chez moi, on était plus ou moins prêt. Là franchement. Ouais. Là psychologiquement parlant, je m'attendais pas du tout au SBR extrême. On se retrouve après le cut. Ouais, non, ça va être. L'SBR extrême. Ah ouais, extrême. Bon, j'ai une idée. En fait, j'ai deux idées. Je regarde sur Twitter sur les threads de Kawaii pour faire mon extrême. Ah, quoi? Non, moi j'ai là pour le coup, j'ai deux idées. Maintenant, la question, ça va être laquelle je sélectionne. Et ça va dépendre. Ah, oui, il y en a des persos extrêmes. Hein. Ça va dépendre de juste la diversité en fait. C'est le seul truc qui va faire que je choisis. Du coup, je précise quand même que quand on choisit nos teams, on regarde pas la box amis en fait. Oui, car sinon ça casse le délire en soi. Hein. Vous pouvez pas savoir, mais voilà, je suis pas en train de regarder ce qu'il fait, il est pas en train de regarder ce que je fais, tu vois. On pourrait, mais bon. Quoi, bon. Ça tue le délire en soi. Quoi, je vais copier et tout, non. Évidemment, on verra plus, on voit nos runs mutuellement plus tard, on peut checker, mais là on regarde pas, évidemment, c'est une question de temps. Extrême de course, c'est pas très. Extrême Asie, bah en fait, ça va être très très drôle cette run. Ça va être extrêmement drôle. Attends, là on est sur quelque chose de bien. Par contre j'ai juste une peur. C'est juste que je vois quelque chose. Est-ce que ça passe comme ça? Ah ouais, en fait si je me fais sauter ne serait-ce qu'un perso, je suis dans une merde néo-spatiale. Extrême. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah non, ça passe pas trop, hein. En fait, je peux jouer cette ligne, mais le seul problème, c'est que si je me fais sauter un perso, derrière, j'ai rien pour combler. Ça, c'est très très chaud. Ça passe pas. Après,
Sauf que ça peut être vachement drôle là, attends une seconde. Après avec ça il y a moyen. En fait il faut juste que je me fasse pas sauter. Ouais je sais que je vais pas jamais me faire sauter ce personnage là, c'est pas possible. Ah oui en plus j'ai fait une dinguerie moi. Oh, je vais jamais me faire me sauter ce perso là, au moins j'ai un remplaçant. Je pourrais la jouer comme ça mais je saurais une souris. Ah non mais ouais je pourrais en soi. J'ai une idée de qui va sauter donc au pire des cas même si c'est le personnage que je pense qu'il va sauter je pense que ça va. Ok. Bah du coup je sais comment je vais partir. Ok. Moi c'est bon. Mais je sais pas si ça marche en soi bien. Hein. I'm ready. Mais je trouve ça drôle de faire cette team là. Hein. Je trouve ça vraiment drôle. Tu vas déchanter. Hein. Attends, pourquoi pas. Ouais je vais y aller comme ça ouais. Ah par contre tu vas me le ban. Ah oui il y a le ban en fait. Ouais moi j'ai joué en fonction du ban. Enfin, ah oui il y a le ban proba... En termes de pro ban on va appeler ça. Mais pro ban. Forcément si je me fais pas de mauvais perso je me fais un... Ah non du coup désolé moi je vais revenir je vais faire une autre team car là il y a le ban tu ouais, vas me... À ton aise. Au pire il y a le montage hein, la table d'édition séquentielle. Là qui nous permet de faire pshou. J'ai pris un risque quand même sur les bans. Je me fais salement tuer les bans, mais mon avis, comme je l'ai dit, il y a les hommes et les omelettes. Donc, priori, je tente un truc. Et je tente un concept en plus. Je me rappelle pas de ce SBR en soi, donc je tente un concept là. Ouais, ce SBR, il est juste relou. Et frère, je me rappelle pas, ça me stresse. Hein. Juste relou. Si tu veux, je peux te dire, il y a Goten et Trunks au début. Je sais qu'à la fin, il y a Vegeta divin et Goku divin. Par contre, au milieu, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, il faut avoir un personnage de chaque type en plus, hein. Ah oui, c'est un iceberg qui est quand même assez chiant. Ah ouais, ah ouais. Je vais faire une team éclatée au sol, là. On est tombé sur la crème de la crème en termes de merde. Et tu sais que je vais faire insulter, là. Écoute, si jamais t'as fini, je veux bien regarder. Je sais pas si t'as fini. Attends, je suis en train de penser à un truc, là. Je te jure, je vais me faire insulter. Franchement, là pour le coup, je sais pas ce qu'il met donc je suis un peu perdu. Enfin, vous saurez du coup à ce moment-là que. Non, du coup, je le mets pas plus. Non, je vais pas lui. Si je mets lui, je suis con en fait. Je vais y aller pour. J'ai envie de tenter. Non, je vais y aller comme ça. C'est dégueulasse, hein, je te jure, c'est dégueulasse. Bah, je suis impatient de voir. Car je sais ce que tu vas faire, chien. Attends. C'est quoi? Allez. Attends, ils ont par contre juste que j'essaie de trouver un meilleur leader, une seconde. Forcément, y'a pas. Ok, je suis une chienne. Ah, par contre, du coup, j'ai envie de changer. Je me demande ce qu'il a. Franchement, je sais pas du tout ce qu'il a pris, quoi. Non, je vais rester sur ça. Voilà. Voilà ma team. C'est bon. Ouais, okay, voilà ma team. Regarde. Donc, on a quoi? On a. C'est un concept, hein. Attends, parce que moi, Discord, il fait de la merde. Je crois que c'est une boss de film avec. Broly End, Janemba Ing, Broly End. Broly AJ, Metal Cooler et Freezer MF, je crois. Ouais. Je vois pas très bien. Metal Cooler et Freezer MF, ils se lient bien ensemble, je crois. Ouais, ils se lient bien, ouais. Ouais. Effectivement. Voilà. Du coup, qui je vais ban. Je suis sûr que j'ai fait une bonne team de con, mais je sais pas. J'ai stressé. Metal Cooler. Ah, Metal Cooler AJ. Ça marche, bah du coup t'auras ton Nemesis dans la game. Oh Tamosu. Moi du coup je vais regarder ce que j'ai pris. J'allais pas un tel. Ok, je m'en étais. Ouais. Non, j'allais pas un tel quand même, c'est un chien. Hein. T'as fait quoi comme team d'ailleurs hein, hein. T'as fait quoi comme team? C'est conceptuel ton bail. C'est une team Cyborg, Saga de Cell, Full Extreme. Et je mais Janemba Antel n'est pas si bon. Ah oui, il est pas dans la. Il est extrême. Et... Non. Et du coup. Attends, vu je que tu as retiré mon. Je peux changer mon avis. Vu que t'as retiré Janemba Antel, pourquoi ça m'arrange? Quand on est retiré Janemba Antel, tu as maintenu ma molette des types. En fait, je peux prendre n'importe quel personnage Extreme Int ou Cyborg Saga de Cell, ça me pose pas de soucis en fait. En fait, t'as fait exprès de le mettre. Alors non seulement c'était le meilleur choix possible, mais en plus ça m'a arrangé complètement dans le truc d'un ban quoi. Mais il est pas dans la... Comment c'est le meilleur choix? Il est pas dans... Ah oui c'est carré extrême, oui. Oui mais celle un deuxième leader 101% l'extrême inté, on est d'accord. Ouais. Je me serais quand même pas mis un personnage avec 0% de lead juste en pour... En vrai t'as les selles, je crois que t'as un petit avantage sur moi là quand même, hein, je crois.
Là c'est juste le dernier personnage, c'est compliqué. Parce que bon, on est quand même dans l'optique d'un speedrun, donc je vais pas jouer Roi Cole, sinon je l'aurais pris. Tu veux juste voir un truc. J'ai deux possibilités en fait. En fait, lui il aura pas de lien. Lui il aura masse lien, mais il va se faire un peu défourailler quoi. En vrai, à la limite, j'aurais dû à la limite mettre Golden Freezer Agi. Mais Thalès Agi est mieux, mais c'est juste que. Le problème c'est que Golden Freezer là il va avoir des liens avec qui là. En vrai, là j'ai une grosse hésitation. Est-ce que je prends ça ou ça? En fait, ça c'est très 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 cohérent. D'un autre côté, c'est un peu. Surtout le dernier boss. Non, le dernier boss c'est le. J'ai resté. Du coup, je prends VG de Super. Enfin, je prends Vegeta SSJ, LR, un T parce qu'en fait, le dernier combat, on affronte un puits et un tech. Et si je ramène les cyborg là, ils vont se faire juste défoncer par le Vegeta. Donc, je sais pas. Donc, du coup, voilà ma team, une cyborg saga de Cell. Multicolore, donc voilà, je suis. Moi, c'est quand tu veux. T'es paré au combat? Je lance. Je suis paré au combat, je sens que ce combat va se terminer d'une. Je te jure là, non mais non. Ah, du coup, là, on prend la C8 à la place de. Ok. C'est comme tu veux. Ouais, t'inquiète, non, on prend la C8, on change. C8 est où? Oui, j'ai pris C8, on a la même chose, non. Prince CB, C8, Phantom et Dragon Rose. Ok, ah, ok, donc tu prends C8. T'es pas compté, prêt? Ah, oui, j'ai dit C8, putain, en fait, j'avais pris le loin, j'ai vraiment changé la C8, t'inquiète. T'inquiète, on est bien, on a le même item, Ok, bah tu me dis comment c'est bon, comme ça je lance le décompte. Ouais, tu peux lancer le décompte, hein. Mais là je sais pas bien avec 3, mon délai et l'air puissance. 3, oui mais d'un autre côté je sais pourquoi je l'ai pas ban. 3, 2, 1, let's go. Mais en fait c'est qu'au niveau personnage puissance, en boss de film j'avais pas, tu m'as fait ou pas? Alors oui. Et ça commence avec Broly LR, quel plaisir. Ouais, mais je sais que le premier boss était agi en fait, donc c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ça. Oh, Sark, quel plaisir! Oh! Ok. En vrai. Je vais faire incendier dans les commentaires, frère, t'as pas d'idée. Ah, mais ça va être beau. Hein. En vrai de vrai, c'est le bon plan. Déjà toi, avoue la vérité, en vrai toi là, t'aurais vu que j'ai pris Broly LR pour un cacheron, tu... J'y suis même pas allé, faut que je me concentre, moi, c'est incroyable. En fait, faut que tu te rendes compte d'un truc, c'est que Broly LRP va te faire démolir. Je le sais, c'est juste qu'en puissance, en boss de film, j'avais personne. Je te jure, limite, j'aurais ramené Janemba puis à ce stade. Hein, mais y'a Janemba. Oui, c'est une question de choix de toute façon. Après, Broly LR, il fait des dégâts. Broly LR, il fait ses dégâts, faut dire ce qui est vrai. Et en vrai, on se débrouillait un petit peu trop bien, même. Je pensais qu'on allait proxeller l'air in déjà au tour suivant. On se débrouillait légèrement plus mieux que ce que je pensais. Ça m'arrange pas. Là, par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout là dans cette rotation. Bon, là, à mon avis, ça va partir sur un item. Oui, ça va partir sur un item. De. Ils font comment les dégâts là? En plus, c'est demande, alors je suis contre toi. Ouais, comme ça, au pire, je claque une ébie au tour suivant, j'en bats les couilles. Par contre, je devrais vraiment commencer à voir quand je joue, car je regarde pas l'écran. Ça, c'est un souci, hein. Je sais pas si t'es au courant, hein. C'est quoi, je tente. Je vais pas utiliser item, car c'est bien que ma team n'est pas bien, donc je tente. Si je meurs, rien à foutre. Esquive, quoi, esquive, par contre, esquive. Apparemment, il est pas bon, voilà. Voilà. Mention à la trousse. Ça me plaît pas, ça, typiquement, c'est pas en train de me plaire. En vrai, s'il fait un critique, c'est un bon choix d'avoir visé lui. S'il fait un critique, allez. Allez, t'es mon gars. Okay. Allez, t'es mon gars. Ok, c'est bon. C'est le seul truc que j'avais peur, c'est que Goten il se paie dessus, mais c'est bon. Non, mais franchement, là, ce qui s'est passé, je te promets, c'est une blague. Y'a moyen que je meure là. Hein. Ce qui s'est passé, c'est une blague. Ouais, non, mais moi, après, j'ai pas eu non plus. J'ai eu un très très bon démarrage, mais après, Là, je sais que j'ai claqué deux items. Non, je suis mort. Non, je suis mort dès le début. Oh non. Non, la honte. Non. Allez, bah, du coup, moi, je peux. T'en es mort où exactement? J'ai même pas tué un! J'ai même pas tué! Ah bah du coup. Bon, je vais finir le premier combat, comme ça j'assois ma victoire. Ma domination. D'ailleurs, du coup, pour la beauté de la chose, je ne vais pas claquer d'item. Parce que. Non, voilà. Vu que t'es mort. Non mais c'est incroyable. Bon, bah. En fait, voilà, tu vois, j'ai envoyé Broly Agi sur le Goten Tech. Ok. Mais c'est car il allait y avoir très très peu de vie. Donc tu vois, pour les agis, moi j'ai 3 doublons, il peut faire l'attaque supplémentaire, ouais, à la limite, il fait mal de gueule, il a plus de vie là. Il a ni critique ni attaque sup, et du coup il prenait des 80 000 je crois par auto-attaque, hein. Et du coup après, j'arrive à le finir, mais genre le... comment on dit ça?
Le Broly Endurance il prend un coup à 70 000 et je meurs. J'ai juste, en fait j'ai pas voulu utiliser l'item tu vois. Car je me suis dit que chaque fois qu'il y aura Broly à l'air puissance j'aurais, je serais oublié limite d'utiliser un item. Je suis mort premier tour. Ah je suis mort. Premier tour? Non non deuxième mais genre premier match quoi. Moi je suis toujours en vie en tout cas. Arrête arrête toi. Ah non mais. J'ai toujours en plus, et en plus ta chaîne c'est une chaîne de mecs qui tryhardent et tout. Ah je vais me faire incendier. Non voilà. non. Allez, qu'on soit bien d'accord les gars. Je sais que je vous habitue à du contenu tactico-tactique, mais je vous rappelle, on est en speedrun SBR, vous savez. Non, en speedrun SBR. Donc voilà, ce que je viens de prendre en SP, je l'avais complètement anticipé, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Faut quand même capter qu'il faut réfléchir vite. En moi même j'ai temps, pas l'habitude de claquer les items. Non mais je te promets, j'ai pas l'habitude, normalement je joue tranquille, tu vois, je me prends pas la tête. Et c'est tactico-tactique quoi, c'est pas non plus aussi simple que ça en a l'air. Là par exemple j'aurais pas dû partir en première parce que j'aurais pas anticipé. Ouais mais là t'as fini le combat ouais. Ouais. Bah Kowai hein. Kowai je jouerai avec toi la prochaine fois que j'aurai de l'argent, connard de merde. Et voilà voilà, bon, on vous spoilera pas le résultat du premier combat. Mais du coup vous savez ici qu'en tout cas j'ai perdu. Ah non mais j'ai perdu. Je me mets bien là. J'ai perdu. J'ai plus de... Mais plutôt bien, vous. Tu peux l'arrêter ton SBR, arrête de faire chier, mec. C'est le mec qui continue. Ouais, là, c'est bien, là. Donc, je vais arrêter parce que je viens de claquer un ghost et j'ai pas envie de claquer un ghost. En fait. Tu sais que j'ai trop la rage d'être mort. En fait, j'ai cru que j'allais rester vivant à un peu de choses près, tu vois. Ouais. Mais en même temps, j'avais brûlé l'air puissant. C'est forcément une sorte de SBR en mode de high risk, high reward, tu vois. En fait, c'est ça. Moi, je t'ai retiré Metal Cooler parce qu'en fait, tu comptais sur le fait d'avoir Freezer MF pour qu'il soit viable en termes de lien. Avec Metal Cooler, oui. Lui, il a les transfo, tu vois. Alors, quelque part, c'est une perte de temps. Mais d'un autre côté, je savais pas combien de doublons t'avais. J'en savais foutrement rien. Ouais. Et puis, à côté de ça, même s'il avait pas. Bon, si jamais il avait pas de doublon, quelque part, c'est quand même. Ça reste une phase d'immunité, tu vois. Donc, non, il avait un doublon quand même. Ah bah voilà, tu vois, il avait un doublon, typiquement, finalement, j'ai bien fait, tu vois. S'il avait pas de doublon, c'était peut-être. En fait, ce que t'as fait, c'est que t'as. En fait, limite, j'aurais eu envie de rechanger toute ma team. T'as enlevé un personnage qui m'a donné envie de changer la team, en fait. Non, mais moi pour moi, j'ai joué Brain hein, du début à la fin. sur le ban, j'ai full joué Brain parce que je me suis dit, en fait, pour moi, t'allais retirer dans la team. En fait, j'ai isolé 3-4 personnages que je pouvais retirer dans ma team. Mais je savais que ceux-là, je pouvais les remplacer. Moi, vois, je spoil pas, mais je dis au moins. Kowai, moi, je spoil pas, mais je dis au moins que sur ma chaîne, je me suis fait un peu plus respecter. Effectivement, donc voilà. En tout cas, je pense que la mécénite, du coup, est 10 balles dans mon compte PayPal assez rapidement. Je suis très heureux, hein, voilà. Ce concept, je sens qu'ils vont faire rager beaucoup de monde. Hein. En tout cas, moi, je suis heureux dans la vie. Donc voilà. T'imagines, c'est moi qui a créé le concept. J'ai fait la vidéo avec 6 youtubeurs, je perds tout le temps, genre. Moi je vais m'amuser en tout cas à regarder ça, ça risque d'être assez drôle. Donc voilà, en tout cas je vous rappelle ceci, les épisodes retour, hein. Il y a eu un épisode aller sur la chaîne de Mohamed, donc forcément c'est dans la continuité, hein. Je vous invite à regarder le premier pour savoir si Mohamed a gagné le premier épisode ou au contraire si je viens de me faire un doublé, hein. Je vous invite à aller regarder ça. Et puis pour ma part en tout cas je vous laisse ici, hein, sur ce fabuleux écran. Évidemment vous ne pensez pas que j'allais consommer le ghost que j'ai consommé, hein. Je vais gentiment reset après la vidéo et vous n'en saurez rien, comme ça je ne perds pas le ghost et puis j'abandonnerai parce que voilà c'est comme ça la vie. Et puis je vous retrouve de toute façon très prochainement pour d'autres lives et vidéos. Mohamed, le mot de la fin, t'as les chasis 100%. Voilà, il essaie de me foutre le seum parce qu'il a perdu, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme vous pouvez le voir, je viens de faire une faute de conjugaison énorme, je rayonne de joie. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, j'en sais rien, et puis à la prochaine, ciao ciao. Tchuss.